gros pourcentage de réussite dans ton écurie lorsque tu cours, c'est dû à quoi? Est-ce que vraiment, quand tu vas aux courses, c'est à chaque fois parce que tu sens que ton cheval est fin prêt à 100%? Pas à 100%, mais je sais que j'aime bien aller aux courses avec une chance. Maintenant, quand les chevaux sont pas bien, je les cours pas. Donc parfois, il peut se trouver que des chevaux se retrouvent en retard de gain. Donc, voilà, c'est peut-être qui fait ça. Maintenant, ça se passera certainement pas toujours comme ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que à chaque fois, ça se passe pas trop mal. Ouais, donc ça, c'est Vitel de Brévol. C'est peut-être pas un 100% pur droitier, mais il a déjà gagné à Cabourg et je sais pas, peut-être qu'il peut, il peut. On va peut-être essayer de courir le prix des hêtres à partir en tête si forcément il n'est pas éliminé parce qu'il n'a pas énormément de gains. Alors, le prix des hêtres, ça prépare le critérium? Ouais, c'est. Il y a souvent de très bons chevaux à 25 mètres, mais parfois c'est des chevaux qui préparent la belle course. Donc, Le mien, voilà, c'est une bonne piste, c'est une piste souple et j'essaierai bien de courir cette course-là. Il a peu couru ce cheval-là, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas précoce et on l'a toujours couru quand il était bien. Mis à part cet hiver, il a couru deux fois, il n'était pas bien du tout. On n'a pas recouru de l'hiver et voilà, on essaie de courir quand il est bien, là il faut en profiter et il est en super forme donc on y va. Est-ce que c'est le meilleur cheval de ton écurie? Ah ouais, j'ai des bons V, hein. J'ai Virgius du Mazza, un bon cheval monté. Mais ouais, c'est le meilleur, en classe d'attelage, c'est le meilleur. Ouais. Ça c'est un fils de Riddy Cash, un petit cheval nerveux qui vient d'être deuxième à Cherbourg et qui est bon droitier, il peut courir éventuellement à Cabourg. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, maintenant faut un petit peu gérer et c'est un cheval qui est stressé, pas mal. Parmi tes TB, tu le situes où celui-là? Bah, je dirais que c'est peut-être celui qui est fait le plus en précoce. Il est fait pour courir tout de suite, il est petit, et il est prêt et il va courir régulièrement si tout va bien. Voiture parisienne? Pourquoi pas, maintenant il faut qu'il apprenne à se gérer un petit peu parce qu'il tire beaucoup. Mais il est assez doué, pourquoi pas, sur la petite piste, ouais. Il est capable de pas mal faire. Hein. Ouais, celle qui a la terre, là, c'est une fille d'Orlando Vici, une grande pouliche qui est pas précoce, mais qui a des moyens. Elle vient d'être deuxième à Graigne en 18 et elle a de la marge et elle connaît pas encore trop son métier. Mais c'est une pouliche que j'estime une de mes mieux dans les 3 ans, je crois. C'est quoi son petit nom? Son nom c'est Biotis. Biotis. Attends, j'ai un trou là. Biotis Melody. Biotis Melody. Ça c'est Adax du Vivier. Il a gagné hier à Graigne. C'est sans être un phénomène, c'est un petit cheval qui est dur, qui n'a pas trop de vitesse mais qui est dur. Et il peut éventuellement courir à Cabourg. Pourquoi pas. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup de gains, qui a très peu couru l'année dernière. Il devrait bien faire cet été, j'espère. Donc ça, c'est Virgius du Mazza. Virgius du Mazza, c'est un hongre. Il a pas mal de gains, puisqu'il a 135 000. Il va certainement courir à Cabourg, mais à l'attelage, parce qu'il n'a pas beaucoup de courses montées. Il est en hongre, il a des courses montées en septembre. Donc on va plutôt le courir attelé, même si à l'attelage il a déjà gagné à Vincennes et tout. Il est certainement moins maniable que monté, mais c'est un cheval qui a beaucoup de classe, qui a un gros moteur. Il a déjà fait des trucs à l'attelé, hein? Ouais, il a gagné à Vincennes sur la petite piste et ouais, il a gagné quelques courses à l'attelage. Je l'ai mis tard monté, il a très peu couru, il a pratiquement toujours gagné d'ailleurs monté. Comparé à Vitel de Brévol, c'est bien en dessous? Bon, il est en dessous, je pense, mais il a des temps. Il a quand même marché 12 les 2002 de la petite piste montée. Et il a des super temps. Mais enfin, attelé toujours, il est inférieur à l'autre, ça c'est sûr. Le but avec lui, c'est quoi? C'est de le monter en gain progressivement?
Bah, on n'a pas trop le choix. Comme il est hongre, il a quand même pas mal de gains. Maintenant, avec ses gains, il faut quand même être maniable à l'attelage. Il va plutôt courir monter, mais il va pas avoir 50 courses. Il va falloir bien préparer les courses montées, quoi. Il faudra qu'il soit en forme au bon moment. Ouais, Hugo Lin One, c'est aussi plus une jument attelée, elle est délicate. Même si elle a des moyens, elle a déjà gagné plusieurs fois à la classe. Mais maintenant, avec les gains qu'elle a aussi, c'est plus facile en montée. C'est pas impossible qu'elle court même attelée ou montée à Cabourg. Maintenant, attelée, elle reste délicate quand même sur un petit anneau comme Cabourg, ce sera certainement compliqué. Quoi. Et Victoria du Viaduc. C'est une jument qui a très peu couru aussi, je ne sais même pas si elle a couru 10 fois. Et c'est pas mal, normalement elle aime bien piste plate, corde à droite, elle a déjà gagné à Cabourg. Elle n'est pas très chargée en gains et elle devrait trouver des belles courses, j'espère. C'est en plein son truc Cabourg. Est-ce que c'est un de tes espoirs là pour cet été? Pour cet été, Cabourg, ouais. Si... Après, j'ai pas trop le programme en tête pour elle, mais avec ses gains, normalement, elle devrait avoir plein de courses. Ouais, normalement, elle a été en vacances et elle arrive en pleine forme au bon moment. Faut que ça continue. Quoi. Il a eu des problèmes de santé, là, donc il a pas recouru, mais il sera plutôt à voir, je pense, à Cabourg en fin de meeting. Cabourg, ça va le préparer ou est-ce que dès la fin de meeting à Cabourg, justement, il peut être opérationnel? Bah ouais, il a eu des problèmes, il n'a pas été arrêté super super longtemps, donc il se prépare assez vite, c'est un cheval nerveux. Fin de meeting, ça devrait pas être mal normalement. C'est pour ça qu'il a travaillé seul ce matin, c'est parce qu'il était nerveux? Ouais, il est pas facile à travailler. Il a du mal à au bout de chaque ligne droite, il a du mal à refaire tomber un peu la pression, il est vraiment pas facile à travailler. Et sinon, c'est un cheval qui est super trotteur. Ça, c'est Azur Somoli, un cheval que j'ai acheté avec des clients au Vendée Prix d'Amérique cet hiver. On l'avait vu courir à Cabourg, il avait bien couru, il nous plaisait bien. Et puis, je pense qu'il nous en a plus parce qu'il a couru 3 fois, il reste sur 2 victoires. Je pense qu'il est un petit peu en retard de gain. Lui, il devrait bien faire à Cabourg normalement. C'est un cheval qui est en retard de gain. Normalement, s'il lui arrive rien, ça devrait faire un bon petit cheval. Qu'est-ce qui t'a plu pour l'acheter? Je l'avais vu courir à Cabourg. C'est sûr que le lot était peut-être pas phénoménal, mais il faisait quand même le dernier kilomètre 14. Et il me plaisait bien. C'est un grand cheval qui n'est pas venu. On voyait bien qu'il y avait du potentiel et qu'il n'était pas encore tout à fait venu. Et c'est un Somoli, on sait que Jean-Paul Fichot vend quand même pas mal de ses chevaux, donc c'était le moment d'acheter un cheval comme ça, je pense, et on regrette surtout pas. Les ventes, t'aimes bien acheter tes chevaux aux ventes ou est-ce que tu travailles beaucoup avec des éleveurs? Je travaille beaucoup avec des éleveurs, après les ventes c'est jamais facile à acheter. Les chevaux de course, les bons chevaux de course, c'est recherché par tout le monde, notamment par les gros clients, donc... Ça se vend souvent cher aux ventes, donc voilà, c'est mieux de passer un petit peu autre que les ventes. Quoi. Ça c'est Autre Nuage, c'est aussi un des bons de la maison, des trois meilleurs je dirais. C'est un cheval qui est un petit peu souffreteux et qui a eu des problèmes, qui a été arrêté un bon moment. Il n'a que des bonnes perfs et de très bonnes perfs. Il vient de gagner à Laval en 14 coups 2008. C'est un cheval que j'estime beaucoup. Maintenant, il va aussi bien à droite qu'à gauche. Il a 2 courses à Cabourg. Une où il rend 25 mètres, ce qui n'est jamais évident à Vincennes, à Cabourg, pardon. Et une à poteau égal. Donc il n'est pas impossible qu'il court les deux. C'est un cheval que j'estime vraiment pas mal. Il pourra aller monter également ce cheval-là. Je crois que c'est un beau modèle. Ouais, c'est un beau modèle, mais il a pas, à mon avis, il n'a pas l'allure. Il n'a pas l'allure et c'est un cheval qui est demi en bleur. Il a besoin de poids, il est un petit peu souffreteux. Je pense pas que, tout du moins pour le moment, ça, c'est même pas la peine d'essayer, à mon avis.
Il a bon caractère, c'est un gentil cheval, il fait tout ce qu'on lui demande.